Wesh 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 les petits loups et les loutes, nous sommes le dimanche 25 juillet de l'année 2021. Oh, c'est comme si Bonaldi ça marche pas. Oh, ah ça veut pas. Ah quand ça veut pas, ça veut pas. C'est comme ça. C'est la loi de Murphy. Mais quand ça marche pas, à gauche, ça va à droite. Where there is a chair, there is a way. Unix users. On ne va pas fumer. That's what our system produces. Garbage in, garbage out. George Carlyle, Tika Comatane. Best grapes. To all the riders in the world, un coucou Daniel Olivier, la MC Grasse, tous les potos, Loris Gubion, Guillaume Lagnel, dont je fais des interviews, à Colombier le Vieux, il y a une dizaine d'années, to all the English riders, like Dubby Lankin, Adam Raga, James Dabil. Ah, James, very good rider on the beta in 2009, X-Trail in Strasbourg, and voilà. Si, des belles photos argentiques souvenirs. Et dit le jeune à la Bresse. Alors il dit, je vais vous envoyer ça, j'avais pas le temps encore de l'envoyer. En souvenir, alors c'est daté août 90, il y a 31 ans, ça nous rajeunit pas. Il dit, alors lui là, le mec là, le qui a inventé la boîte à Ego, c'est Mark Zuckerberg. Ça c'est Mad Max dans mon village. Sur le Fantique 240, un coucou à Michel Petit-Demange, c'était à Rombard-le-Franc. On s'était bien entraîné. Et puis là, ça c'est là, elle est non datée. C'est Yves Karst sur la 310 Cota dans la cascade d'Urbès. Donc photo argentique aussi. Je ne peux pas dater, mais je me rappelle l'avoir suivi. C'est la petite triple marche juste après dans la cascade, quand on va vers les mines. Un coucou donc aussi à Muriel et Joël Jung, et Daniel Jung donc, hein, qui se sont donné beaucoup de peine à organiser tous ces trials à l'époque, dont le premier trial indoor de Strasbourg, auquel je participais sur manque de bol sur la JCM. Donc coucou à Joël Courroy aussi. Joël Disquin que j'ai eu en ligne une vingtaine de minutes l'an dernier. Joël Disquin donc qui a une serrerie qui est établie à Lourdes, avec qui je m'étais entraîné à Luxeuil-les-Bains, terrain qui malheureusement aujourd'hui, d'après les derniers échos, n'existe plus. Et Joël, donc Joël Disquin, dont je me rappelle un article dans Moto Revue qui avait été écrit par Jean-Louis Bernardelli, qui disait la chose suivante: dans ce panier de crabes potentiels qu'est toute compétition, Joël n'a que des amis. Et je me souviens qu'il me disait, avec l'accent du sud, oh putain Philippe, ça caille chez vous, ben, à Luxeuil, on s'était entraîné en hiver. Et voilà. Donc aussi, un coucou à tout le sud-ouest, Stéphane Suzanne. Ça, c'était les vidéos que j'avais fait. Il a bien investi, Stéphane Suzanne, à l'époque. Maintenant, il se retrouve sur YouTube pour combien tu m'avais filé, 25 balles, un truc comme ça. C'était donc à la SAC que j'avais fait les vidéos
Alors, on va pas, on dira pas Loris Guyon, Christophe Bruyon, qui selfie là à la Bresse, là, il s'était marré Christophe là, avec la moustache et son casque là, en forme de crâne d'œuf. Voilà, voilà. And you know what they want? Obedient workers, but I will tell you what they don't want, people like me. Capable of critical thinking, that's against their interest, that's right. These are persons of modest being. It doesn't matter the color of shirt you have on. These people continue to elect these rich cocker suckers. They don't care about you. They don't give a fuck about you. It's a big club, and you and I ain't in it. You and I are not in this big club. They spend billions of dollars lobbying to tell you what to believe, what to think, and what to buy. The time is still that for the game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. George Carlin. Un coucou à Étienne Chouard. Alors, à mon avis, toutes ces manifestations, c'est pas bon. Vous rentrez dans le jeu du gouvernement. À partir du moment où vous manifestez, vous justifiez la répression. Et la répression, c'est quoi? C'est l'achat d'armes, des tasers, etc. Ce serait beaucoup plus simple, tout comme les limitations de vitesse. L'homme n'est pas fait pour vivre vite. J'en ai discuté avec mes médecins. À la base, nous sommes des primates comme Tarzan. On se balade de liane en liane. Chercher une banane à croquer. Puis après, un peu plus bas, on voit une guenon, puis on va, comme Tarzan, on va se... Ah, les psychiatres vont tanner. Attention. Attention à mon dos et à mon genou malade, ostéoporose. 11 mm de déphasage, gauche-droite. Et le genou, bah, lui, il a morflé. Oh, faut que je fasse gaffe de pas marcher dans des punaises, là. Je vais me piquer le pied. Un coucou à toute la planète. End of